Je m'appelle Marine Kermitz, je suis cinéaste, je ne suis pas un collectionneur, je suis un amateur. Ce n'est pas la collection pour la collection du tout, c'est la proximité et l'amitié, l'affection que je peux avoir à l'égard de l'œuvre. C'est pour moi des œuvres que, en gros, je vais saluer tous les matins. C'est-à-dire, je leur dis au revoir avant de partir, je leur dis bonjour en rentrant. C'est comme si c'était des personnes vivantes. Il y a quelque chose qui, pour moi, est vraiment de l'ordre du dialogue et du mystère. Je pars de meilleure humeur le matin, après avoir été salué une ou deux œuvres. Cette série de 9 mains s'appelle « Les mains de Prague ». Son auteur, c'est Christian Boltanski. Voilà un peu l'histoire qu'il m'a racontée. Il est allé visiter la maison de Kafka à Prague. Il a trouvé dans un coin une photo d'un conseil d'administration. Et il n'a gardé de ce conseil d'administration que les mains de ses administrateurs. J'ai l'habitude de me mettre, quand je reçois des gens, de me mettre face à ses mains, car très souvent, si je m'ennuie, ça me permet de m'évader et de commencer à me raconter des histoires sans fin d'ailleurs, parce que je n'ai jamais trouvé, évidemment, à qui appartenaient ces mains, quels étaient les visages ou les corps qui se cachaient derrière. Donc il y a, pour moi, un mystère incroyable qui se dégage de ces mains. J'aime de moins en moins l'art sans mystère. Vaskia Rostami est un metteur en scène avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, qui pour moi est actuellement le... Oui, je pèse mes mots, le plus grand metteur en scène au monde. J'ai contribué à montrer ses premières photos à Paris. Avant, il était montré dans les salles, dans les entrées des salles de cinéma où il y avait des rétrospectives de ses films. Depuis, il est devenu un artiste très coté sur le marché de l'art. Il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, l'étape de metteur en scène. Les arts plastiques étaient relativement au second plan. J'étais essentiellement concentré sur mon métier de cinéaste. Très vite, quand j'ai arrêté de faire des films, c'est-à-dire en 1974, j'ai commencé à mettre en place des salles et toujours tenté de faire des salles de cinéma, des lieux de cinéma, des lieux de passerelle entre le cinéma, les arts plastiques, la musique, la littérature, la poésie, la photo, etc. Et c'est toujours le cas, même maintenant. J'ai toujours demandé à des artistes de participer à cette activité. Il y a eu une autre étape qui s'est déclenchée plus tard, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le cinéma a été remplacé par les arts plastiques. C'est devenu, si vous voulez, un espèce d'espace pour moi de liberté, de plaisir, de désir absolument considérable. Ça a remplacé beaucoup de choses que le cinéma m'offrait auparavant. Et là, c'est deux photos d'un photographe australien qui s'appelle Bill Hanson. J'étais très frappé par la beauté de ces deux photos, puisque les deux vont ensemble. C'est devenu un photographe très, très reconnu. Une œuvre doit pouvoir amener à des questions qui peuvent rester sans réponse, mais qu'on y apporte son propre manger. C'est-à-dire que chacun peut faire les commentaires qu'il veut. Mais c'est ce qui m'intéresse aussi dans le cinéma. Pour moi, le grand cinéma, c'est un cinéma très ouvert. C'est un cinéma où chaque spectateur peut inventer son histoire par rapport au film qu'il voit. Être ému, faire des commentaires très différents. Je vous ai demandé de venir ici, à la Galerie Vue, parce que je voulais vous présenter Christian Cojol, grâce auquel j'ai découvert la photographie. J'avais une relation avec la photographie qui était très distante. Dans une collection, il y a une façon
de se dévoiler et de faire son portrait, qui est parfois extrêmement bouleversante. Choisir une pièce face à d'autres, face à ceux qui les défendent, c'est se livrer. C'est quand même se livrer beaucoup. Dire « j'aime ça au point de l'acheter pour vivre avec », c'est pas rien. Marine vit avec les œuvres. Et la façon dont il vit avec les œuvres est aussi extrêmement touchante. J'y pense par rapport à une pièce très, très particulière. C'est une pièce extraordinaire, rare, et qui on avait présentée à Paris Photo. C'est une pièce d'Antoine Nagata, qui est son seul panneau qu'il ait fait, qui est une thématique très liée à l'histoire. Marine s'était intéressée tout de suite au travail d'Antoine, et je me disais, je pense que ça devrait toucher Marine. Ça n'a pas raté. Paris Photo a ouvert. Marine est passée sur le stand et a acheté tout de suite cette pièce. Et ça m'a fait très, très plaisir. Pas parce que Marine avait acheté, pas parce qu'on avait vendu une pièce, mais parce que j'avais le sentiment que c'était quelque chose qui lui correspondait profondément. On se trompe, bien sûr. Après, chacun a le droit, heureusement, de dire « Et Marine m'a dit, certaines fois, mais ça, j'aime pas ça. » Et je trouve ça formidable. Une œuvre existe, il y a un passeur, il y a quelqu'un qui est là pour s'en occuper, pour qu'elle ne soit pas orpheline, qu'elle ne soit pas dans un coin, etc. Et ce passeur, c'est ce personnage entre deux, va vers ce qu'on appelle un collectionneur, un amateur, ou des musées, etc., ou des livres, des éditeurs de livres, pour que cette œuvre se mette à vivre. Sans passeur, il n'y aurait... Peut-être il y aurait sans doute moins d'artistes et il y aurait certainement beaucoup moins de collectionneurs. Je me demandais s'il y avait des photos de Strömbholm ici. C'est Munoz là-haut, non? Non? C'est Ackermann. Je ne connaissais pas, c'est là, magnifique. On réagit face à une chose qui est d'ailleurs un objet, qui est encadré, qui vous présente une image qui a été faite par quelqu'un. On réagit et puis on se pose la question de savoir pourquoi on réagit, pourquoi elle vous touche. Il n'y a pas de formule miracle, il faut voir. Il faut commencer par voir. Et porter de plus en plus d'attention à cet apprentissage du regard. Il faut apprendre à voir, comme on apprend à parler, comme on apprend à lire, comme on apprend à écrire. On apprend aussi à voir. Et donc, il faut que cet apprentissage ait lieu. C'est, est-ce que je suis touché? Déjà, premier instant. Ensuite, pourquoi je suis touché? Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être plus évolué? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? C'est la curiosité, c'est le désir. Nous devons tous continuer à apprendre, sinon on devient des vieux cons. Ah, c'est rédhibitoire, c'est-à-dire les mecs qui sont arrêtés à un moment, c'est à chier, quoi, vraiment. Ça, l'art, il permet pas ça. L'art et la création, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement qui va toujours de l'avant. Vous arrêtez, vous restez au bord de la route et vous voyez passer les trains. Mais bon, c'est moyennement intéressant. Vous voulez, l'art, pour moi, sert à construire des maisons. Et chacun apporte sa pierre à cette maison. Mais il faut apporter une pierre. On ne peut pas simplement se contenter de rentrer dans la maison, de faire un tour et de partir. Chaque artiste doit apporter cette pierre. Et donc, c'est cette pierre que je cherche. Ah non, d'accord, j'ai compris. Allez, on y va. Là. C'est M. Valentin, là, je suis bon. Là, c'est les jeunes galeries, les jeunes galeristes. Donc, des jeunes... aussi de jeunes auteurs, de jeunes créateurs. Et ce qui peut m'intéresser, ce sont des choses différentes et nouvelles par rapport à ce que je connais déjà, ou déjà ce qui a été fait, et des choses qui, tout à coup, font avancer un peu l'art. Les galeristes, ce sont des gens qui ont énormément compté pour moi parce que leur regard a transformé mon regard. Ça a été le passage d'un regard, si vous voulez, vulgaire ou grossier,
relativement novice, parce que je connaissais les choses vers l'affinement et le raffinement du regard. Dessin noir. Bien sûr. Absolument. Daniel Silva. Je ne savais même pas où j'étais. Ah, bah oui, c'est ce qui m'intéresse chez un artiste que je collectionne, c'est d'être sur la durée de son travail, parce que c'est les changements qui m'intéressent, c'est les évolutions, c'est les crises. Parfois, les crises sont extrêmement instructives, parce que c'est les moments de faiblesse. C'est dans ces moments de faiblesse que s'expriment le plus ses angoisses, ses doutes et aussi son talent, sa capacité de sortir et de retourner vers, disons, une certaine perfection. C'est l'ensemble du temps qui est généralement... La moitié. Benoît Porcher, le galeriste. C'est mieux aux hein, Carmine. Ah, ça, c'est très bien. 7 000 euros. C'est un artiste dominicain. On ne peut pas être un grand artiste sans être dans l'histoire de l'art. Très bon. C'est pas possible. C'est par rapport à l'ancien que vous faites du nouveau. Si vous croyez que vous inventez des trucs, c'est pas vrai. Pour faire du nouveau, il faut pouvoir mettre en cause l'ancien et le maîtriser, si possible. Parfois, ce qui manque, par exemple, ici, dans chez certains de ces jeunes artistes, c'est qu'ils ne maîtrisent pas toujours les bases même de la peinture. Le fait que des artistes s'isolent uniquement dans leur art, sans être, irrigués par les autres formes d'expression, est, à mon avis, très catastrophique. Et c'est un des phénomènes actuels. Pas mal, hein? Qu'est-ce que c'est être collectionneur? Comment c'est un collectionneur? Un collectionneur, c'est un ensemble comme ça de choses, de rencontres, d'hésitations, de silences. Parce que c'est un point de départ pour moi d'un imaginaire que je construis au fur et à mesure dans ma tête ou dans mon cœur. Et donc ça m'enrichit. Ça m'apporte quelque chose. Non mais moi j'aime pas beaucoup ce genre d'effet technologique, mais je trouve ça très marrant. Et c'est tout de même, je vois pas trop ce qu'apporte cet effet-là par rapport aux photos. Écoutez, ce stand est vraiment, vraiment marrant. Hein. Collectionneur peut aider les artistes à se faire connaître, des œuvres à être vues. C'est les artistes, là encore, qui prennent des risques. Nous, on fait que aimer les risques qu'ils prennent, mais on ne les prend pas à leur place. Je peux aimer certains artistes et être proche d'eux, mais c'est l'œuvre, leur œuvre qui m'intéresse avant tout. Et ça n'a pu commencer à se faire que au moment où j'ai commencé à avoir de l'argent, parce que pendant très longtemps, je n'en avais pas. Les premières œuvres que j'ai pu acheter, je les payais sur 2 ans. J'ai trouvé des marchands géniaux qui, j'allais tous les samedis, leur apporter un chèque. Je payais vraiment à tempérament, quoi. Et puis aussi, au fur et à mesure que mon regard a commencé à s'affiner. Absolument stupéfiant là. Hein. Il y a galerie et galerie. Tout ne se vaut pas. C'est comme il y a marchand de fromage et marchand de fromage, marchand de vin et marchand de vin. C'est un peu comme de respirer. C'est des respirations qui me sont absolument nécessaires, sinon j'étouffe. Il faut que je trouve le temps. Entre deux rendez-vous, entre deux emmerdes, entre deux casse-têtes, deux choses désagréables, je viens me ressourcer. Je viens reprendre de l'air. C'est un bonheur absolu, là. C'est tout ce que j'aime. Donc, je ne m'attendais pas à ça, en plus. Moi, je suis dans une position de voyeur, d'une certaine façon, d'amateur. J'apprends. Et Catherine m'aide à apprendre. Mais elle sait. Moi, je ne sais pas.
Donc, si vous voulez, la différence est très grande. Elle a appris, elle fait passer, elle fait passer son savoir et ses connaissances. Moi, je découvre. C'est très important d'avoir la culture d'un mouvement ou d'une émotion, mais aussi de pouvoir les rapprocher toujours. Ça sert à soi-même, à ce qu'on ne vous la fasse pas aussi, vous voyez. On ne prend pas comme argent comptant une chose qu'on vous impose, en fait. Ça permet ça. C'est 1912, ça, non? C'est tout est 1912. Et c'est un artiste qui s'appelle Stanislav Witkiewicz. Là, c'est quelque chose qui est unique au monde. C'est quelque chose qu'on ne peut voir dans aucun musée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour un amateur comme moi, ça, c'est des trésors absolus. Ça, c'est le musée d'Orsay. Il serait content d'avoir ça. Hein. Et moi aussi. Et ça, c'est des prix qui dépassent mes moyens. Là, c'est carrément chef-d'œuvre, là. Ne pas l'avoir chez soi, c'est pas grave, c'est déjà de pouvoir le voir. C'est un travail colossal pour arriver à réunir 10 photos comme ça. Ça n'existe, je crois que ça n'existe dans aucun musée, enfin, aucun musée n'a ça. C'est-à-dire, c'est vraiment hallucinant. J'ai cherché une photo par une photo, j'ai cherché en Pologne, j'ai cherché aux États-Unis. Et au bout d'un moment, j'ai pu reconstruire un peu cette année-là, si vous voulez, ce moment-là de la photo. C'est absolument pionnier. C'est pas simplement les photographes, les artistes voient ça, si vous voulez, comme l'image même de l'émotion. Toute la photo moderne se trouve là. Hein. J'ai des coups de cœur parfois, tac, j'ai vraiment envie de quelque chose. Mais très souvent, j'ai besoin de revenir, j'ai besoin de laisser dormir, j'ai besoin de rêver. Si vous voulez que tout à coup, dans l'inconscient, l'œuvre se mette en place dans ma propre histoire, justement. Comment est-ce qu'elle me parle? Laisser venir l'émotion. Est-ce que ça tient ou est-ce que ça ne tient pas? Est-ce que je suis dans un effet de mode ou au contraire, quelque chose qui s'inscrit dans une rigueur et dans une profondeur. Donc il faut du temps. Vous faites souvent les choses avec un lien de construction. Vous dites, tiens, ça je l'ai retrouvé là. Ça je l'ai vu dans ce que j'ai. Je n'avais pas vu cet aspect de cette œuvre avant de voir celle-là. Vous voyez, c'est pas de... Vous n'empilez pas. Ça c'est magnifique, hein, Catherine. Magnifique. Vraiment magnifique. Étonnant. Pour moi, dans les relations avec ce que j'appelle les passeurs, ce qui importe, c'est l'espace qu'ils me laissent. Les autres, pour moi, c'est des marchands. Ils essaient de me vendre quelque chose. Et ça, j'ai horreur de ça. Parce que je sais que je ne pourrais pas voir une œuvre dans mon rythme, dans mon espace à moi. Marine a un mythe de l'artiste. Bien qu'il ne soit pas, il n'ait pas de copinage avec les artistes. C'est pas du tout son histoire. Mais connaître les œuvres, c'est vraiment ce qu'il fonde. Marine n'est pas avant tout collectionneur. Il ne veut pas d'abord la posséder, même si après il en a besoin. Il veut d'abord la comprendre, d'abord se construire avec. Et on parle peu d'argent. D'abord, il a fait le tour de l'œuvre et après, il voit s'il peut l'acquérir. Moi, j'aime beaucoup le silence. J'ai d'ailleurs... fait une exposition comme commissaire d'exposition qui s'appelle Silence, au pluriel. De l'exposition, c'est toutes des œuvres majeures, elles sont à un niveau qui est exceptionnel. En tout cas, j'ai essayé de mettre ces œuvres de façon à ce qu'elles tiennent les unes par rapport aux autres, et c'est très compliqué quand vous avez 15 très grands auteurs venant du monde entier, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui se fasse écraser par les autres. Donc ça veut dire qu'ils tiennent sacrément le coup les uns par rapport aux autres.
c'est une de mes œuvres. Il n'y en a pas beaucoup ici. Je l'ai vue dans une foire, qui est la foire de Bâle, et au milieu de milliers et de milliers de tableaux ou de photos. Et tout à coup, j'ai été totalement saisi par la force de l'œuvre, avant même de comprendre ce qu'elle voulait dire. Le premier élément, c'était le choc visuel de ce qu'il y avait à l'intérieur de tout ça. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la référence historique, c'est la capacité d'un artiste à être universel ou cosmopolite, ou en tout cas en dehors de l'anecdote. Je n'aime pas les truqueurs, les gens qui utilisent la mode ou le marché. Je n'aime pas les faux qu'on prend pour du vrai. Cette œuvre, je l'ai trouvée à la FIAC. Il y a très longtemps. Je n'ai pas du tout ces hauteurs de plafond. Je n'ai pas la possibilité d'avoir un rayon lumineux parce que je suis évidemment dans un appartement où il y a de la lumière dans la journée. Donc on n'a pas cet effet de l'ombre qui est projetée, qui est très importante pour l'œuvre. Elle a été faite avec son ombre. Ce qui m'a frappé dans cette œuvre quand j'ai vu pour la première fois, c'est très difficile à... Chaque fois, c'est très difficile à expliquer. Il y a un choc. Par exemple, là, je la revois vraiment autrement que là où elle était chez moi. Et là, elle s'impose autrement puisqu'il y a une hauteur dans une situation qui n'est pas la même que celle que j'ai chez moi. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui a un œil. Et cet œil, il doit le montrer aux autres. Et donc, en effet, un collectionneur doit acheter des œuvres. Des collections privées doivent exister. C'est parce qu'il y a des collections privées qu'une grande partie des œuvres ont été conservées. Ce n'est pas toujours les collections publiques qui ont conservé les œuvres les plus intéressantes. Mais un collectionneur privé doit prêter ses œuvres pour qu'elles soient montrées. Et au moment où elles sont montrées, elles nécessitent en effet un espace particulier que le collectionneur ne peut pas avoir chez lui. Je n'éprouve aucun plaisir à prêter des œuvres. Non, c'est pas du tout un plaisir, c'est une obligation. Je pense qu'une œuvre doit être, existe pour être vue. Droite, gauche, qu'est-ce qu'on passe par là ? Tu sais que c'est très rarement éclairé de cette façon, hein, les œuvres de Giacometti. Ouais, on peut les éclairer de face les éclaire sans les ombres. Oui, on les entoure. Ouais. Là, mais je pense que là, c'est le temps de régler. Ouais. C'est mieux, on a mis un angle de 15 degrés. Là, ce que vous voyez n'est pas terminé. Elle est en train d'être mise en place. Et c'est une plage, il manque quelques accessoires sur cette plage. La musique, il manque un jukebox. C'est une pièce sonore. Pour la conserver, on ne devrait pas l'éclairer. C'est-à-dire que les conservateurs disent qu'il ne faut pas l'éclairer. Et donc nous, on a obtenu donc, de l'auteur, qui pourtant n'en est plus propriétaire, qu'il dégage la responsabilité du Centre Pompidou en acceptant qu'elle soit éclairée comme lui la voyait en 1962. Là, c'est un collectionneur public donc, qui a acheté l'œuvre privée donc, de Marcel Reiss, qui la stocke dans des règles générales de conservation et qui interdit qu'elle soit montrée comme l'artiste le voulait. Alors que si ça avait été une pièce appartenant mettons, à Marine Carmine ou à un autre collectionneur, il n'aurait donc jamais posé cette question, il l'aurait exposée telle que l'artiste le voulait. Et donc, on l'a réussi. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est la première fois qu'elle est exposée comme ça. Parce qu'elle a déjà été exposée au Centre Pompidou, pas éclairée, et un jeune conservateur du Centre Pompidou la prend pour le Centre Pompidou Metz, qui la veut comme ça. J'ai pas envie de fondation, j'ai pas envie de grande urne funéraire à mon nom, avec fondation à tel, etc., etc. Je pense qu'on ne transmet pas les œuvres des autres, on transmet ses propres œuvres. J'ai fait des choses dans ma vie, j'ai fait des choses dans le cinéma, c'est mon métier. Ça, je suis très soucieux de transmettre ce que j'ai fait dans le cinéma. Les œuvres que j'ai pu acquérir, c'est les œuvres d'autres. Donc, ces œuvres sont à tout le monde. Il faut simplement les respecter, les traiter correctement, ne pas les mépriser. Une vie sans art est une vie d'âme morte. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'âmes mortes. Donc, comment les faire revivre? Comment les réveiller? C'est un sacré boulot.